Je pense que tous les agents de bord comme moi, on a passé quelques minutes dans le galet à observer un passager qui essaie d'ouvrir la porte des toilettes. Il appuie partout, mais absolument partout, sauf là où on lui dit qu'il faut pousser. Alors aujourd'hui, on va parler des toilettes de l'avion. Bienvenue à bord. Pour une raison que j'ignore, il semble que les toilettes de l'avion, c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de gens parce qu'ils sont complètement perdus, ils ne savent pas comment ouvrir la porte, ils ne savent pas comment tirer la chasse, ils mettent les serviettes par terre au lieu de les mettre dans la poubelle. Donc je vais essayer un petit peu de démystifier ces fameuses toilettes. Bienvenue, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vole au-dessus du Pacifique et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez activer la cloche pour avoir une notification des nouvelles vidéos. Et puis si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez tout savoir sur le milieu du transport aérien, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et également regarder les playlists puisqu'il y a énormément de vidéos qui sont proposées sur ma chaîne. Je couvre un petit peu tous les genres de sujets en ce qui concerne le transport aérien. Alors je fais cette vidéo suite d'une demande que j'ai eue il y a quelques mois la première question qu'on m'a demandé, est-ce que les toilettes sont modulables? Est-ce que les toilettes peuvent être mises n'importe où dans l'avion? Techniquement, oui, on peut mettre des toilettes un peu partout où on veut dans l'avion, du moment qu'il y a un accès à de l'eau. Il n'y a pas de l'accès à l'eau partout dans l'avion, mais il y a beaucoup d'endroits où on est capable de mettre des toilettes. Donc lorsqu'une compagnie achète un avion, où l'avion vient complètement vide, vous avez la cabine où il n'y a même pas de moquette, il n'y a rien du tout, et puis vous avez en dessous le cargo. Et puis la compagnie va décider comment est-ce qu'elle veut aménager son avion. Donc quelle est la moquette qu'elle veut choisir, quels sont les sièges qu'elle a en classe économie, en classe premium, en classe business, en première classe, etc. Quelle couleur de lumière elle veut avoir dans sa cabine, quelle est la couleur des murs, elle va vraiment tout choisir et évidemment elle va aussi choisir parmi tout un catalogue de fournisseurs agréés pour savoir quelles sont les toilettes qu'elle choisit. Donc elles sont plus petites, elles sont plus grandes, évidemment ça dépend aussi de l'espace de l'avion, donc les toilettes doivent être certifiées pour voler dans ce type d'appareil. Une toilette que je trouve vraiment très très petite, si vous voyagez sur Lufthansa, sur certains de nos Airbus 320, vous avez dans le galet du 320 qui n'est pas très très grand à l'arrière, vous avez la moitié, c'est le galet, l'autre moitié, ils ont réussi à mettre deux toilettes. En général, on en a une ou on en a deux sur les côtés, on a supprimé des sièges, mais eux, ils ont réussi à mettre deux toilettes dans la largeur de l'avion. Donc, on y va quasiment de côté. C'est vraiment très, très petit. Mais certaines compagnies vont mettre des toilettes très très grandes, beaucoup plus spacieuses et parfois même des douches. Si vous voyagez sur des compagnies comme Emirates, vous allez avoir la possibilité quasiment d'avoir des douches si vous êtes bien sûr dans les classes affaires et business. Il faut savoir qu'avec les années, le nombre de toilettes a aussi été réduit parce que les toilettes, ça prend de l'espace dans la cabine et cet espace peut être remplacé par des sièges qui, eux, vont apporter de l'argent alors que les toilettes n'en rapportent pas. Et puis, je ne pense pas qu'on est encore prêt à aller faire payer les gens pour qu'ils utilisent les toilettes. Il y a eu des demandes de Ryanair de ce côté-là, mais pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Et donc, les compagnies, parfois, ont réduit le nombre de toilettes. Si je prends l'exemple d'Air Canada, qui a plusieurs Boeing 777, il y a plusieurs versions et l'une d'entre elles est la version HD pour haute densité. Et ils ont maximisé le nombre de sièges, ils ont réduit les galets et ils ont également réduit le nombre de toilettes. Donc effectivement, si vous êtes sur cet avion-là, attendez-vous à faire une file d'attente un peu plus longue pour les toilettes et avoir des sièges qui sont vraiment très très proches les uns des autres. Comme je vous le disais, les toilettes sont plus ou moins grandes. Sur les avions qui font du lourd courrier, en général, on va avoir, je ne sais pas si c'est requis, mais les compagnies souvent vont avoir des toilettes accessibles pour les fauteuils roulants. Donc, ce n'est pas le fauteuil roulant que la personne va amener avec elle à bord. En général, ce sont des fauteuils d'allée, donc qui vont être assez étroits pour passer dans les allées économie. Et on va avoir une toilette qui va être plus large, donc pour que justement cette personne puisse rentrer dans la toilette avec le fauteuil de l'allée, le fauteuil roulant, et puis ensuite se transférer sur la bolle des toilettes. Sur l'avion sur lequel je travaille, le Dreamliner, sur ma compagnie. Ce sont les toilettes du milieu de la cabine en économie. Il y a deux toilettes, mais il y a un mur qui va s'ouvrir. Donc, on a une clé et on peut ouvrir le mur. Dans ce cas-là, il va se replier. Et même s'il y a deux bols de toilettes, la personne va rentrer d'un côté et va avoir assez d'espace pour pouvoir justement faire un transfert qui soit le plus minimum possible, mais vers la toilette. Et ensuite, on va faire l'inverse et la sortir de l'autre côté. Donc, c'est un petit peu toute une gymnastique, mais au moins, on a une toilette accessible pour les fauteuils roulants, pour les personnes à mobilité réduite. Je vais terminer ma présentation sur les toilettes en vous disant que les compagnies peuvent également les décorer comme elles le souhaitent. Donc parfois vous avez des toilettes qui vont être avec une fenêtre si jamais il y a la possibilité de le faire. Lorsque vous êtes dans le ciel en vol et vous avez les toilettes et vous pouvez regarder les nuages à l'extérieur, si vous êtes au sol, je vous conseille plutôt de fermer le hublot parce que vous avez tous les personnels au sol qui vont être à l'extérieur de l'avion qui peuvent vous voir. Vous avez le choix entre mettre éventuellement un genre de papier peint, vous avez le choix sur la couleur de la lumière,
le choix de la musique. Donc je sais que là où je travaille, les toilettes, lorsqu'elles ne sont pas occupées, c'est une lumière bleue. Ça fait que si quelqu'un ouvre la porte des toilettes la nuit pour y aller, ça ne va pas réveiller les personnes qui dorment à proximité en ayant toujours de la lumière. Donc il y a une lumière qui était bleue, et dès qu'on est à l'intérieur et qu'on bloque la porte et qu'on la barre, automatiquement la lumière va devenir plus blanche et donc on va pouvoir voir ce qu'on fait. On a aussi de la musique, donc c'est un choix. La compagnie décide, vraiment tout est à la carte. Nous, il y a de la musique qui joue en permanence. C'est le même genre de musique qu'on a au moment du décollage et l'atterrissage, c'est une boucle. Et la musique change même tous les mois. Il y a une playlist, il y a quelqu'un qui est payé dans la compagnie pour changer la musique de la cabine, mais aussi des toilettes tous les mois. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, c'est toujours quelque chose d'assez amusant jusqu'à un certain moment de regarder quelqu'un qui va quasiment faire un mime-marceau devant la porte des toilettes, qui va appuyer absolument partout, mais qui ne va pas prendre une seconde pour lire les instructions qui sont pourtant en général assez simples. Alors voici mon cours sur comment utiliser les toilettes. Tout d'abord, vous voulez savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur déjà ou pas. Donc vous avez toujours un petit voyant qui va se trouver à l'extérieur, un petit panneau qui va vous dire « occupied », qui veut dire « occupé », souvent c'est en anglais, donc je vais vous dire en anglais, ou qui va dire « vacant ». Ça se lit vacant en français, c'est la même racine que le mot français. Donc lorsqu'on va en vacances, lorsqu'on est libre, les toilettes sont libres. Donc si c'est occupied, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, en général c'est écrit en rouge, donc stop, on n'y va pas. Si c'est vert, vacant, vert, comme on est sur la route, on y va, on peut avancer et donc vous pouvez ouvrir la porte. Alors comment ouvrir la porte? Ça c'est le grand mystère, la porte des toilettes. Il y a en général deux types de portes de toilettes dans les avions. Vous avez ce qu'on appelle les bifold et puis vous avez les portes normales. Je vais commencer par les bifold et bifold pour parler proprement anglais. Donc c'est une porte qui va se plier en deux. Vous avez ça des fois dans des cabines de douche également. Donc c'est très très simple. Pour l'ouvrir, il est écrit à l'extérieur push. Push en anglais ça veut dire pousser. Il suffit simplement de pousser là où il y a écrit push. En général c'est près du milieu de la porte parce que c'est là où va se trouver la charnière. Vous poussez avec votre main, la porte va se plier en deux et vous pouvez rentrer dans les toilettes. Pour en sortir, c'est l'effet inverse. Donc il y a une petite poignée sur la porte et il y a écrit pull. Pull, ça veut dire tirer. Vous tirez la porte et la porte va s'ouvrir. Vous pouvez donc partir et retourner à votre siège. L'autre type de porte, qui est beaucoup plus conventionnel, mais qui a l'air de perturber beaucoup de gens, c'est une porte normale avec une poignée. Donc il suffit simplement d'abaisser la poignée, enfin d'attraper la poignée, de l'abaisser, et ensuite vous allez essayer soit de pousser ou de tirer la porte. Comme vous le faites lorsque vous allez dans la maison de quelqu'un, vous essayez de pousser ou de tirer la porte, vous voyez dans quel sens ça va s'ouvrir, et puis si jamais ça ne se pousse pas ou ça ne s'ouvre pas, c'est sûrement que la porte a été bloquée et qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Je sais, ça a l'air super naïf ce que je suis en train de vous raconter, mais vous seriez étonné de voir le nombre de gens qui vont passer 5 bonnes minutes devant la porte à faire le mime-marceau. Et si vous êtes agent de bord, PNC, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires parce que je suis sûr que vous aurez aussi des exemples à donner. Maintenant qu'on est rentré dans les toilettes, on va fermer la porte à clé. Donc vous avez toujours un petit levier qui va aller vers la droite ou vers la gauche. Et cet écran gros qui vous demande de barrer, de fermer la porte. Ça va activer le petit signal rouge à l'extérieur qui va dire que c'est occupé. Donc personne ne va rentrer lorsque vous êtes dans les toilettes. Ensuite, regardez autour de vous, surtout au niveau du sol. Et vous allez voir des petites gouttes. Vous allez voir parfois une petite mare d'un liquide. Si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, vous savez, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais si vous êtes nouveau, eh bien, je vais vous apprendre une grande nouvelle. Ce liquide... ce n'est pas de l'eau, non. Et c'est pourquoi il est très important de porter des souliers lorsque vous allez dans les toilettes de l'avion, même si c'est pour juste quelques minutes. Les chaussettes vont absorber ce fameux liquide que vous n'avez pas envie de toucher et ensuite ça va rester plus longtemps en contact de vos pieds. Donc les chaussures, c'est le seul moyen de pouvoir vraiment s'isoler et de s'assurer à ce que ce liquide que vous ne mettriez pas votre main dedans, il n'est pas directement sous vos pieds. C'est pas tellement hygiénique. Autre précision, sur la porte, il y a aussi un petit logo avec une cigarette. Alors ça, ce n'est pas que vous avez le droit de fumer, on n'a plus le droit de fumer dans les avions depuis très longtemps, mais c'est la suite d'une réglementation de la FAA, l'aviation civile des États-Unis, qui dit que si jamais on doit éteindre une cigarette, parce que quelqu'un, il arrive parfois à ce que quelqu'un fume dans les toilettes, pour éteindre la cigarette, on doit utiliser ce petit cendrier, en fait, qui est plus un genre de crochet, comme un mini porte-manteau qui va permettre d'écraser l'embout allumé de la cigarette, sans risquer de propager un incendie. Si quelqu'un est pris en train de fumer et qu'il met son mégot de cigarette encore un peu allumé dans la poubelle, il y a du papier et là on peut commencer un énorme incendie, ça pourrait être catastrophique. Donc on doit utiliser ça pour éteindre la cigarette. Mais ça ne veut pas vous donner la permission de fumer et ce n'est pas un poignet pour pouvoir ouvrir ou fermer la porte. Donc vous avez votre petite affaire et maintenant il est le temps de tirer la chasse. La chasse d'eau dans les avions est un petit peu différente de celle que vous avez à la maison. Elle va faire beaucoup de bruit, je vais vous expliquer pourquoi.
Lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous tirez la chasse d'eau, vous allez en général utiliser 2 litres d'eau à peu près en moyenne qui va emporter tout ce que vous avez laissé dans la cuvette des toilettes. Dans l'avion, l'eau ou n'importe quel liquide, ça a un poids et un poids. Ça a un coût assez important parce qu'il faut du kérosène pour le transporter. Et donc, on a une autre technologie, il y a un liquide qui va venir parce qu'il faut désinfecter, mais ce liquide va être en général sur les avions modernes 25 centilitres. C'est une tasse d'eau. C'est vraiment très très petit et c'est juste pour désinfecter. Ce n'est pas pour emporter vos déchets. Et donc pour emporter vos déchets, les compagnies ont imaginé un système assez ingénieux. Ils vont créer une genre de mini dépression, un mini typhoon dans les toilettes. Et donc lorsque vous allez appuyer sur le bouton pour tirer la chasse, il y a une petite valve à l'extérieur de l'avion qui va s'ouvrir une milliseconde, mais qui va créer une dépression. Et donc tout ce qui est dans les toilettes va être aspiré, mais ne va pas aller à l'extérieur, je vous en parlais, mais va aller dans une cuve directement. Mais ça va créer cette dépression pour vider les toilettes et en même temps, le liquide va être libéré pour simplement désinfecter. Ce qui explique ce bruit que vous entendez lorsque vous allez aux toilettes de l'avion, qui peut faire parfois un petit peu peur aux enfants. Donc vous avez tiré la chasse et non, vos déchets ne sont pas renvoyés dans le ciel en une minuscule gouttelette de pluie, de pipi ou de caca. Ça va simplement dans une cuve qui va récupérer tous ces déchets et qui va être vidé lorsqu'on va arriver avec un bel aspirateur. Donc il y a un préposé qui va venir sous l'aile, qui va brancher cet aspirateur et qui va vider tout simplement la cuve. Je terminerai en vous donnant simplement des rappels de base. Ces toilettes, vous les partagez avec les autres passagers, vous les partagez avec les agents de bord, vous les partagez aussi souvent avec l'équipage du cockpit. Donc on vous demande simplement de les laisser en bon état. Je sais que tout le monde n'est pas super respectueux et je le vois très souvent en fonction des cultures. Et là, je ne vais pas commencer à donner des schémas, mais sur certaines routes, les toilettes sont toujours nickel, vraiment propres. Sur d'autres routes, on va ouvrir la porte et on va trouver toujours des tas de déchets partout, des serviettes par terre, etc. Donc si vous avez les toilettes et que vous allez vous laver les dents, si vous avez laissé le dentifrice au comptoir, des taches de dentifrice, prenez simplement une serviette, essuyez-le avec un peu d'eau, de manière à ce que ça soit plus propre. La personne qui arrive après vous n'a pas forcément envie de voir une tache blanche sur le comptoir et se demander qu'est-ce que c'est que cette tache blanche. Ramassez les papiers, mettez-les dans la poubelle. Il y a des poubelles qui sont bien indiquées pour ça. Il y a aussi des couvre-sièges. Le couvre-siège est propre, donc c'est pas là où on met les serviettes usagées ou les poubelles. Elles sont bien séparées. Nous, les agents de bord, on fait des rondes dans les toilettes régulièrement. Si on est en train de faire le service de repas, on n'y va pas à ce moment-là. Mais sinon, entre les services de repas, on y va entre toutes les 15 et 30 minutes. On va s'assurer à ce que tout soit restocké, que ça soit à peu près propre. On va amener un petit spray pour désodoriser. Mais si quelque chose vient à manquer, quand ce que je vais restocker les toilettes, je ne compte pas le nombre de mouchoirs qui va rester dans la boîte. Je n'ouvre pas la boîte de mouchoirs. Elle est simplement dans le distributeur. Donc, il se peut qu'il reste seulement 5, je ne le sais pas. Et la prochaine fois que je vais venir, je vais la remplacer. Mais si vous utilisez le dernier mouchoir, ou si quelqu'un a volé, parce que oui ça arrive, les rouleaux de papier toilette et que vous voyez qu'il n'y en a plus, eh bien dites-nous-le lorsque vous sortez des toilettes, dites-le à un agent de bord, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus de mouchoirs ou il n'y a plus de papier toilette, ça va nous faire plaisir d'aller restocker et on sait que comme ça au moins ça ne va pas manquer pour les autres personnes qui vont y aller jusqu'à ce qu'on fasse notre ronde. Donc indiquez-nous si quelque chose est manquant et laissez les toilettes toujours en bon état s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, puis j'arrêtais pas de la repousser parce que j'avais d'autres sujets dont je voulais parler, mais je me suis dit que là, en ce moment, c'est le temps des vacances, même s'il y a un petit peu moins de voyageurs, touristes, avec la pandémie qui est en cours, il y a quand même quelques personnes qui voyagent pour une des premières fois, et donc je me suis dit que c'était un bon moment de faire un petit rappel sur l'utilisation des toilettes. Dernière petite chose, les toilettes font une partie intégrante d'un programme qui s'appelle le Mile High, donc ce sont les gens qui ont des petites aventures ensemble dans les toilettes. Je vais pas en parler cette vidéo, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, j'en avais déjà parlé, donc je vais mettre le lien sur une autre vidéo. Sur ce, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je traite. J'ai déjà une longue liste, mais ça me fait plaisir de voir un petit peu quelles sont les demandes, surtout si vous êtes nouveau. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!